Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, direction Bourin pour la Bourinoise. Alors logiquement, on va retrouver tous les copains. C'est la rando de reprise pour tout le monde. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être assez roulant. C'est très bien pour tout le monde. Et j'espère qu'on va s'amuser. Mais ça, j'en doute pas. Allez, je vous retrouve là-bas. Bon, finalement, Damien n'est pas présent. Il était de garde hier. Enfin, de garde. Garde d'enfants. Donc là, on est avec la team Lançoise. Jaco. Alex, Anto, Renald. Bon, je pense que ça a eu beaucoup de chemin de champ. Trop roulant. Bon décrassage. C'est ce qu'il nous faut de temps en temps. Ah. Ouverture de la chasse aujourd'hui. On a intérêt à rouler les gars, on a intérêt à rouler. Ouais, les sous-bois. Ouais. Des bois, ouais. Des quoi? Des Damiens? Des Damiens qui traversent, pourquoi? Bonjour. Après une course effrénée, le vélo de Christophe n'a pas tenu. La vitesse étant tellement élevée que son pneu a chauffé, explosé. Non. Bon. Hé hey, Jaco. L'ouverture de la saison des crevaisons. C'est Christophe qui ouvre le bal, monsieur dame. Il y avait longtemps. Ouais, bah écoute. Hein. Mon Dieu. Ouais. Il a démarré un peu fort pour moi, les gars. J'adore ces chemins-là. Moi aussi. Il y a un truc que j'ai horreur, c'est bien fort. Ah ouais. Au pot l'ornière et hop d'un seul coup. Bah t'es dedans là, t'es dans l'ornière et puis bah ah ouais, voilà. D'un seul coup ton pneu. Chut. Faut mettre au jeu de se casser la gueule avec des ornières comme ça. Un vélo qui balle. Ah bah c'était pas. C'était où? C'est au Paris-Roubaix? C'était pas le Paris-Roubaix. Ah, faut que. Il me semble. Oh bah tu ravis tout. Jure. Jure. Ouais. Ça c'est bon. 23 km on a plus. Pas pour moi. Ah non. Non, non, c'était une blague. Tu m'étonnes. Non, c'était une blague. Chaque fois qu'on vient dans ton coin, en tout, il y a du brouillard. Dans le brouillard. Il y a des ornières partout. Je suis dans le brouillard. Dans le brouillard. Je vois pas bien clair. Il y a des ornières. Je suis à gauche, hein, Jaco. Ah, en vrai. Je m'inquiétais, j'entendais tout faire top. Non, ben on a vu top, donc il regonfle. Top, il regonfle. Il regonfle. Ouais. Ouais, à gauche, merci.
cote à 3%. Elle m'a flingué. Pas énorme en pourcentage, mais très très longue. C'est bon ça. Ravito. Après cette montée. Voilà, sortie du ravito. Ah. Anto nous a... On a lâché. Nous a lâché, il est parti sur le 36. Là, on essaie de rejoindre la team Lançoise et Jaco qui sont devant. Et on va partir sur le 51. Dans l'euphorie, petite erreur, je pense. On a dû louper une flèche. Donc là, on fait demi-tour. On va voir où on s'est trompé. Ça fait des kilomètres en plus. On s'en serait bien passé, mais on sera plus vigilant la prochaine fois. Ouais. Ouais. Ouais, je suis. Elle picote celle-là. Des longs faux plats. C'est pas ce qu'on préfère dans les rondos. Allez Jaco, c'est bientôt fini, il reste 5 km là. Elle a piqué celle-là. Allez Fred, encore 5 km comme ça et c'est bon. Hein? Encore 5 comme ça et c'est bon. C'est le retour du 51, c'est ça? Ouais. Après on repart. Bon. C'est aussi roulant que le début par là? Ouais, c'est dans ouais. Le délire. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est du moins du boulon. C'est roulant. Ça manque un peu de jeu. Ça roule très très bien. Bah après, voilà, on est. C'est bon, hein, on peut pas. On n'a pas. C'est roulant. Ouais, non, mais c'est pas. Après, il y en a qui. Ouais, mais pour moi, reprendre, tu vois. Oui! Bien. Moi aussi. C'est bien parce que. Pourquoi quand je regarde ta montre, ça me fait penser au mien? Je sais pas pourquoi. J'arrive à rester régulier sans mettre dans le rouge. Ouais. C'est... Ça, c'est bien parce que les radars, tu te mets dans le rouge. Deuxième ravito, ok. Eh, je suis bien moi après le ravito, je suis bien. Je suis bien, père la papa. Je suis rassasié. Bon. Ah, on roule pas mal. On roule pas mal.
emmené par la team lensoise. Raid aux avant-postes, une Christophe, Jaco, Alex. Grappette à 5%. L'herbe, les cailloux. Ça picote. Là, j'en ai ras le cul. Ouais, Melo. À gauche, gauche. C'est la fin. Plein champ, votre face, à plein les pattes. Voilà quoi, c'est. En termes d'organisation, franchement, un très bon boulot ça. On peut pas nier. Bien organisé, bien fléché. Mais c'est définitivement pas le type de rando que j'affectionne. Je l'avais jamais faite. Voilà, je l'ai faite. Très roulante, peut-être trop roulante pour moi. Enfin, là, j'ai pris du plaisir à la faire, mais là, à la fin des 50, les chemins de change commencent à saturer. Donc, il est temps qu'on arrive. On commence à saturer des chemins de change. Ouais. Alex, tu bois de l'alcool ? Une 16, c'est déjà. Une bière, je tombe, une bière. Oh bah. Ça m'étonne. Lui, il va dire une bière. Bah, je vais faire comme les copains. Une 16. Merci. Fred. Une brune, une blonde, comme vous voulez. Toujours. Madame. Coco. Une bonne blonde. Blonde, monsieur. T'as pris quoi, toi? Pâté. Allez, la même chose. S'il vous plaît. Voilà, merci. Morinoise, une belle rando bien ficelée, une superbe organisation. Le fléchage impeccable, même si on a réussi nous à se tromper hein, comme à chaque fois hein. On a bien roulé accompagné de la team lensoise Fred et Christophe. Alors pour ma part, peut-être une rando un peu trop roulante, trop de chemin de champs, d'herbes, tout ça, tout ce que j'adore quoi. Mais franchement, en soi, ça reste une belle rando que je conseille. Voilà, parce qu'il y en a qui apprécient ce genre de chemin. Moi, personnellement, c'est pas trop mon kiff. Mais ça reste une belle rando. Donc, vous allez me voir râler, je pense, dans la vidéo. Hein, pendant un petit moment, ouais, j'ai bien râlé quand je voyais que les chemins de champ. Mais on s'est bien amusé, on a revu les copains. Voilà, ça fait du bien. Voilà, sur ce, les loulous, je vous dis, je ne sais pas, la semaine prochaine, il y aura peut-être une vidéo entre deux, j'irai rouler dans la semaine. Mais pour moi, la semaine prochaine, pas de rando. Allez, je vous dis à la prochaine, les loulous. Salut!